Baby Panettone. Waouh! C'est un produit italien. Baby Panettone. Ensuite, nous avons des dark chocolate. Dark chocolate. Dark Alpen. Chocolate. Swiss style muesli. Après, nous avons des chips goûtant aux crevettes. Gotan, ah oui, c'est chips indiennes. Après, nous avons. Vas-y, gourmet chips. Chips de manioc aux crevettes. Ça ne doit pas être mal, ça. On va goûter, hein. Ensuite. Nous avons de la lune de miel. Ah, ça, c'est du miel. Oui, alors ça, on connaît, hein. Miel de montagne, 100%. Et naturel, un pot quand même de 375 grammes. Après, nous avons Notre-Dame de Paris. Non, c'est pas ça. Non, donne-moi-le. C'est un jus de fruits. Ouais. C'est un jus de fruits, c'est italien au citron et à l'orange. Et en fait, derrière, ils font de la pub pour. Notre-Dame de Paris, c'est la comédie musicale. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est un produit italien. Il faut la goûter, hein. Après, nous allons. Ça doit être bon, mais frais. Faut le boire frais. Après, nous avons les jardins d'Haussmann. Alors, les jardins d'Haussmann, ça, ce sont des sachets. Pour le thé, mille et une nuits, c'est du thé noir à la fleur d'oranger, à la pétale de rose, un échantillon, oui. Après, nous avons des Haribo nouveaux, c'est des bonbons Haribo, oui, fais voir, fais passer, c'est goût 100% puissant. Ça pique et c'est nouveau, voilà. C'est Love Pick Academy Haribo. Après 100% USA. Bon, ça c'est un petit paquet de 40 grammes. Ça c'est pour les garçons à peu près. Et l'autre c'est Haribo, c'est nouveau. Love Pick, c'est pour les filles, on dirait. Alors ça, c'est Love Pick Haribo, moelleux et piquant. Rock and Love. Ah oui, c'est en forme de cœur. Et là, c'est un gros paquet de 225 grammes. Après, on a une barre de fruits et déliches. Fruits et nus, voilà. Et fais passer. 40 grammes. Alors, ça, c'est une barre de céréales Fruit and Nut Delight. Des fruits et des noisettes, etc., etc. Alors, après, c'est pareil. Be kind. Et après, c'est encore un jus de fruits. Je ne sais pas qu'est-ce que... Ah oui, c'est pareil. Fais voir. Alors, celui-ci, c'est un jus de fruits aux extraits de Chinotto. Ça ressemble un peu au coca. C'est un peu bizarre. Bon, on essayera aussi, hein. Pareil, ils font de la pub derrière pour Notre-Dame de Paris. On a deux bouteilles comme ça. Bon, et tout ensuite. À la fin, c'est un Cirio, la pulpe en D de tomate. Comme ça. Et ça, ah oui. C'était avec une recette. Ouais, alors donc là, il y a trois paquets de 400 grammes de la pulpe de tomate. C'est une marque italienne. Et ça, c'est. Et là, donc, on a une petite page avec les best-of de la boîte. Et avec tous les produits, les prix, etc. Les explications. Et derrière, on a une petite recette avec la pulpe de tomate. On peut faire, par exemple, des Saint-Jacques à la provençale. Voilà. Et après, nous avons encore. La collection de
Les jardins de l'Haussmann. Ah, ça, c'est la publicité, voilà. Jardin d'Haussmann. Spécial Christmas. Et on après, a 15% de réduction grâce au code DégustaBox. Nous avons... Voilà. Après, nous avons un sapin et derrière toute la... Voilà, il y a un petit mot de toute l'équipe de DégustaBox, voilà, qui nous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Voilà. Et voici pour notre troisième box. Nous avons terminé. La suite à la prochaine box. À bientôt les amis. Merci d'avoir suivi.